Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare par Dieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Le bureau ne changera pas ton problème. Ah, c'est ça le problème. Ah, c'est dans votre tête. Ça capte souvent les gens, ça les fatigue. Le bureau ne va pas changer ton problème. La seule chose qui va changer ton problème, c'est Christ. Or, si vous avez constaté, ici nous prions constamment. Que ça soit à 12h, que ça soit à 20h, que ça soit à 4h de la prière. Pourquoi les gens ils s'angoissent? Ça dit dans leur tête, il faut que ça soit le bureau. Donc vous limitez la main de Dieu sur le bureau. Ça dit, il faut que tu rentres. Donc Dieu tu le minimises. Oh, il est souverain. Dieu, il est souverain. Amen. Il est souverain. Que tu sois rentré dans le bureau ou pas, Dieu lui règle ton problème. Ça m'a bien saisi. C'est votre foi. Or, si dans ta tête, tu es déjà bloqué dans ta tête pour dire, il faut que... C'est pas si mauvais de rencontrer le prophète. Comme je disais, moi je ne suis pas partout à la fois comme Jésus. Jésus lui est partout. C'est ça la différence entre moi et lui. Il est partout. D'ailleurs, je ne suis rien sans lui. Il n'a pas forcément besoin de moi pour te guérir. S'il veut te guérir, il te guérit. Il ne me demande pas la permission. Est-ce que vous avez compris un peu? Jésus ne peut pas venir moi me demander la permission. Eh, monsieur, tu veux qu'il guérisse cette personne? Non! Il s'en fout de moi. Mais c'est une grâce. Tout cela avant de sortir de chez moi, il dit merci. Parce que moi, qui suis-je? Merci de me faire cette grâce. C'est tout. C'est une grâce. L'onction là, c'est Dieu. Je ne peux pas m'enorgueillir. C'est même pas pour moi d'ailleurs. Moi-même, mon rêve, je n'ai jamais rêvé servir Dieu. C'est pas pour moi. Pour moi, c'est pas un travail. Vous me regardez. Venez vous faire sortir parler. C'est travail ça. Son cerveau est fatigué. Caca, tu es fâché seul. C'est des saletés qu'on attend longueur de journée. J'ai mangé orteil. Je l'ai poursuivi la nuit. Je me suis transformé en épervier ou bien en quoi chat. J'ai griffé la vieille, elle a eu Zona, la pauvre vieille. Tout ça, c'est le connerie. C'est pas un boulot. Mais Dieu dit fait. Il m'a sauvé pour le servir. Je ne dépends plus de moi, c'est fini. Je suis comme un esclave. C'est ce qu'il veut là, que moi je fais. Amen. Donc je le suis dans ce qu'il fait. Amen. Donc pour vous dire, quand vous venez ici, il faut que votre foi soit figée sur Christ. Et ça c'est important, on revient encore là-dessus plusieurs fois parce que par moments s'angoisse les gens, il faut qu'on rencontre le prophète. Bon, si Dieu le met des temps, c'est lui qui est le met des temps. C'est lui, c'est qui lui l'a décidé. Tu ne pourras rien comme ça. Moi je suis limité. J'ai fini de prêcher hier. Je suis rentré dans le bureau. Même la réunion de l'église, j'ai fait peut-être 10 minutes, je suis rentré dans le bureau. Parce que hier, avant, je suis allé aller narine des dragonniers. Ceux qui ont dragon, je suis allé aller les narines. Pour dire, ne mangez plus les gens. C'est quoi la ville village? Zocolidier. Les dragonniers sont. Ils ont chacun un dragon. Mais oui, ils élèvent ça. Vos camarades élèvent les poulets, on mange les moutons. Moi, j'élève les moutons ici, les poulets. Amen. Mais vous élevez une bête
qui ne boit que le sang et qui ne mange que la chair humaine. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes deux jeunes. Les dragons de Chine, et ils mangent les fruits. Vous n'avez pas vu les qu'on appelle les conneries qu'ils adorent. Bouddha, sur les conneries, ils mettent les fruits, c'est dragon. Ils mettent les poyos, ils mettent les pommes. C'est ce que les dragons mangent. Pour nous, là, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas banane douce. Ils ne connaissent pas nana. C'est la chair humaine qui mange. Son pissable sur le sang de l'homme. Et puis c'est ça que vous voyez, que vous envoyez dans la foule. C'est pourquoi. Et j'ai demandé aux gens la sorcellerie. Vous connaissez la sorcellerie? Le vieux me fait croire qu'il ne connaît pas. J'ai dit même un bébé du village, un enfant de 2 ans, ici au village. Tu demandes qui est sorcier. La sorcellerie ne pourrait pas te décortiquer ça. Toi, tu es chef de famille. Tu connais pas la sorcellerie? Ça existe? Oui, ça existe. Ok. Sorcier fait quoi? Il ne peut pas parler. Parce que lui, il fait ça. C'est question piège. Je l'ai piégé. Il dit, sorcier, tu. Parce qu'au fait, ma question, je dis, je suis venu pas pour négocier. C'est arrêt de mort. C'est-à-dire, je suis venu décréter la mort sur tous vos sorciers. Le vieux, il est là. Il dit, bon, si tout le monde est sorcier, ils vont mourir. Il dit, mais c'est comme ça. Il me regarde, il dit, mais c'est comme ça. Que lui, il est sorcier, mais il n'est pas la base des malheurs. J'ai dit, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux abattre vos sorciers d'abord avant de parler de Jésus, vous êtes. Voilà, chacun a son travail. Je ne suis pas venu pour tuer. Je vais vous évangéliser après, tout de suite. Après. Mais, sorcellerie, vous donnez l'autorisation. Autorisation de me donner ça. On a fait au moins 40 minutes. On enlève la parole ici. On met ça ici. Moi, je les regardais. On enlève. Donc, ça m'a pris tout le temps. J'étais debout, je les regardais. Finalement, on lâche. Ouais. Parce que j'ai dit, bon, si vous tombez, il n'y a pas fini rien. Ah, non, pas ça, arrêter. Parce qu'eux, ils sont fatigués. Donc, ils vont mourir, ils vont les finir. Comment vous pouvez dans une famille et les gens meurent en cascade? Vous n'êtes pas au courant? Je dis, mais quand il te voit comme ça, là, tu n'es pas dans le Seigneur. Tu n'es pas dans le Seigneur. Tu n'es pas dans le Seigneur, tu manges l'homme. C'est quel chef de famille dans notre village qui n'est pas sorcier? C'est lui qui n'est pas sorcier. Vous tuez les parents des gens pour prendre, vous tuez, vous êtes les maîtres. On a... Et puis je lui ai dit, moi je suis venu, je m'en fous de grosses affaires de chef du village. Actuellement, j'ai l'autorité de Dieu sur moi. Donc, je suis le patron de tout le monde ici. Amen. Amen. Voilà. J'ai eu le mandat de Dieu pour arrêter vos conneries que vous êtes en train de faire. Ça nous a pris jusqu'à pendant 4 ans. Et qu'on a réglé le problème. Parce qu'il y a des actions qui doivent être menées dans les familles. Oui, par moment, on a besoin d'aller dans les familles pour mener une action. Parce que, par moment, le diable n'est pas inquiété parce que rien n'a été prononcé sur la famille. Donc, lui, il agit. Or, ce dont il avait besoin, c'est la parole. Élisée est parti. Les gens ont vu Élisée dans la ville, n'est-ce pas, de Jéricho. Il commençait son ministère. Il est allé réfléchir pour démarrer un ministère prophétique. Les gens de Jéricho constatent que ce monsieur-là, il y a quelque chose d'important en lui. C'est un prophète. Or, dans la ville de Jéricho, l'eau avait un problème, il y avait un souci. Et en même temps, il y avait des difficultés dans la ville. Ok? Donc on approche Élisée. Ce dont on avait besoin de cette ville, c'était une parole très forte. Donc Élisée part, il demande la source de l'eau. Il prend du sel, il jette ça dans l'eau, il prononce une seule parole. Il dit, ainsi parle l'Éternel, aujourd'hui j'assainis tes eaux. Il n'en proviendra plus de malheur ni mort jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas intercédé. Il n'a pas envoyé. Donne-moi la parole de Dieu. Allez-y dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19, n'est-ce pas, à 21. Comme des décrits sur des familles. Quand c'est comme ça, le diable ne peut pas. Alléluia.
Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Selon la parole qui était prononcée. Il n'a pas conduit tout le peuple vers l'eau pour chasser l'esprit de Mamiwaka. Il n'a pas décrété une veillée de prière dans le village. Il est venu au nom de l'Éternel prononcer une parole pour arrêter le mal. Amen. Souvent on a besoin d'une parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Et rien ne peut se faire sans la parole. Donc par moments, ils ont besoin de la parole, que quelque chose soit prononcé sur toi. C'est tout. Amen. Pour que les choses puissent aller mieux. Pour ça, quand tu fais ici, pour ceux qui vont retourner dans notre village, s'il vous plaît, ensuite, vous pouvez prendre une bouteille d'huile d'onction, aller parler là où vous êtes né, vos villages, et vous parlez. Vous dites au nom de Jésus, aujourd'hui même, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, que le pouvoir de la sorcellerie ne puisse pas avoir un impact sur moi. Dans le nom de Jésus. C'est fini. Cette parole, c'est elle même comme une sémence. Parce que la parole est une sémence dans Marc 4, verset 14. Ce dont tu as besoin ce matin, il faut qu'on parle sur toi. Amen. Il faut qu'on parle sur toi pour que les choses changent. Et ça, c'est très important. Marc chapitre 4. Le verset 14. Le Seigneur sème la parole. Le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Sème la parole. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. C'est ce qu'on sème qu'on récolte. Si tu sèmes les pleurs, ça serait un malheur. Les gens, quand ils sortent de leur lit, ils pleurent. Seigneur, moi-même, j'ai fait quoi? Seigneur, Dieu n'a pas pitié. C'est-à-dire, il n'est pas sentimental. Il est un homme, il a amour. Il n'est pas dans vos sentiments. C'est-à-dire que les larmes ne peuvent pas effrayer le Seigneur. Ça n'effraie pas le Seigneur. Amen. La seule chose qui déclenche le miracle, c'est la foi. Amen. Mais c'est tout. On n'a pas dit de pleurer le Seigneur. Non, on dit de prier et de croire. C'est les deux choses. Prier et puis croire. On avait de pleurer. Donc si tu pleures, c'est rien. Ça ne rentre pas dans, n'est-ce pas, le système de Dieu. Non. Or, croire en Dieu, c'est de lui faire confiance. Croire en Dieu, de lui faire confiance, malgré l'adversité, malgré tout ce qui nous arrive, lui faire confiance. Vivre selon la foi, ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas facile du tout. Parce que tu ne vois plus selon la chair. Même quand ça ne va pas, tu dis que ça va. C'est ça. La Bible dit ne marchez plus selon la chair, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Nous sommes des esprits. Si je peux m'exprimer comme ça. Donc on doit vivre selon l'esprit. Or, Dieu est le maître des esprits. Donc, si on ne vit pas selon l'esprit, ce serait difficile de rentrer dans le système de Dieu. C'est ça que devant la mer, Dieu dit à Moïse, pourquoi les pleurs? Frère, c'était difficile. Les gens, ils voyaient humainement parlant les difficultés. La mer, l'océan, l'adversaire juste derrière, et l'océan. Attends. C'est fini. Ils nous ont déjà vaincu. C'est fini. Ils ont commencé à murmurer. Et Dieu lui-même s'adresse à Moïse.
Or, Moïse avait déjà une alliance avec Dieu. Il savait déjà qui était Dieu. Il avait sa foi avec Dieu. Mais les autres qui n'avaient pas cette expérience avec Dieu ont commencé à murmurer. Or, rien n'est impossible à Dieu. Vous avez vu déjà des prodiges, des miracles que le Seigneur a opéré en Égypte. Comment vous a délivré de la mer, tout ça. Mais ils disent non. Or, quand vous étudiez l'histoire, on dit qu'il y avait un raccourci. Et ce raccourci-là, ça pouvait prendre une semaine pour atteindre Cana. Dieu a fait le détour vers la mer Rouge. Donc, il y a souvent des situations qui vous arrivent, que Dieu lui-même permet. Amen. Parce que la Bible dit que rien ne nous arrive sans que l'Éternel Dieu l'a permis. Pourquoi j'ai ce problème? Vois un miracle déguisé dedans. Amen. Faut pas pleurer. Les gens qui sont devant eux, ils pleurent. Pourquoi? Non. Dans ce que tu vis est un miracle déguisé. La mer Rouge était un miracle déguisé. Et même parents, c'est difficile. On t'a prié de nous délivrer. Mais voici la mer. C'est quelle délivrance? Mais c'est Dieu qui l'a permis. Il faut vivre ta foi. Amen. Vive ta foi. Vous pensez que Dieu il est humain comme nous? Dieu n'est pas un homme comme nous. Amen. Le fait qu'on a décidé de marcher avec lui, gloire à Dieu, il est notre Père. C'est pour ça qu'il ne faut pas que le diable vous culpabilise. Pour vous montrer tout ce que vous faites en vain. Non. Une fois que décision de marcher avec Jésus, tu deviens fils. Amen. Il dit encore ce qui est intéressant. Il dit ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui. C'est une grâce. Hein? Je ne sais pas si les gens comprennent un peu l'importance d'être chrétien. C'est une grâce. Donc lui ne peut pas te choisir. Et puis avec dans la bague de tes malheurs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voyez ce qui vous arrive comme des moments d'épreuve. Et dans les moments d'épreuve, faites-lui confiance. On m'a bien saisi. Or, c'est là que tout le monde, la plupart du temps, les gens tombent. Ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne jamais. Dieu à quelqu'un, il n'abandonne jamais. Le prophète ne m'a pas reçu dans le bureau, le Seigneur m'a lâché. Moi-même, avant même qu'il partait chez les barabous, on ne me voit pas, je suis dans le noir. Encore dans la maison de Dieu, chez les prophètes là, je suis encore dans le noir. C'est fini pour moi. C'est qu'un noir toujours. C'est un nom qui peut te sauver. Attends. Est-ce qu'il peut te sauver? C'est Dieu. Amen. Ne voyez jamais, quand vous avez la foi en Dieu, ne voyez pas tout ce qui est devant vous comme des problèmes. Voyez ça comme des miracles déguisés. Amen. 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 Si le messie dit, il s'en va. Gloire à Dieu, il n'a pas dit. Tu sais ce qu'il allait te réserver dans le futur. Il n'a pas dit. Si elle dit, elle va partir. Dieu va remplacer. Amen. Ta pointure, là, il y en a. Amen. Il y a pointure. Tu vas avoir gourmet à côté d'un fautif. J'ai là qui pleure sur moi. Même pour prier, Seigneur. Michel, Nick, tu pleures à côté de Michel. Tu as gourmet. Tu ne veux pas prier le Seigneur. Il y a la partie. Bon, là, va venir. Amen. Amen. Tu pleures. Lui, il est qui? Prie que le Seigneur. Prie que le Seigneur. Ce qui m'arrive, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas vivre sans lui. Un cul, fais sur toi. Malheur soit celui qui se confie en l'or, qui place sa confiance en l'or. Malheur. Amen. Si tu connais le plan de Dieu pour toi, tu connais le plan de Dieu pour toi. Comment
dit le Seigneur, que ta volonté soit faite. Michel n'est pas dit, tu dégages ta vie. Amen. 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 Il n'est pas tant ça. Que le Seigneur le délivre. Le procédé là, tu peux le délivrer. Si l'humain n'est pas prêt pour être délivré, c'est pas le délivrer. Amen. Et vous comprenez, Seigneur. Et à cause de ça, tu as eu sain d'estomac. C'est ça. Tu avais dit, tu tombes dans les assiettes, dans la cuisine, dans les marmites, les pauvres marmites. Le Seigneur nous aide. Amen. Il faut que Dieu soit au centre de ta vie. Que rien ne vienne te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Que rien ne vienne te séparer. Reste en Jésus. Rien ne vient te séparer. Ni un pasteur, ni un prophète, ni la mort, ni un être humain ne vient te séparer de l'amour de Dieu manifeste Jésus-Christ. Amen. Dans ce monde. Oh Seigneur. Je l'ai oublié. Ah, il est venu dans ma tête. Que Dieu te donne si on oublie. Amen. Amen. On oublie un peu. Amen. Amen. En vérité, quand tu aimes, ça fait mal. Hein? Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Si Dieu ne trouve pas utile que la personne continue avec toi, elle va partir. Elle va partir. Parce que Dieu connaît ce qui est mieux pour toi. Amen. Tu ne peux pas, toi, décider de ton, ta destinée. Ton destin ne t'appartient pas. Tu vas penser que non, c'est parce que c'est mon comportement. Non, Dieu a décidé que ça finisse. C'est ce que toi tu veux. C'est pas la volonté de Dieu. Tu m'as bien saisi? C'est ce que toi tu veux. Mais ce n'est pas la volonté. C'est pour ça que par moments c'est difficile. Vous pensez que la volonté de Dieu c'est ce qui est bien. Jésus dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Mais quand Jésus dit que ta volonté soit faite derrière la croix. Quand Jésus dit que ta volonté soit faite, cette volonté de Dieu, Jésus l'a mis nulle. Cette volonté de Dieu, là, ils ont fouetté Jésus. Fouet. 40 coups de verge. Verge. Sa chair restait. C'est la verge. Sa chair. Volonté de Dieu. Volonté de Dieu, l'ont régné Jésus. Volonté de Dieu, on l'a mis nu à la croix. Nu, comme Père était. Il a accepté. Pourquoi toi tu chipotes là? Dis-le, pourquoi toi tu chipotes? Je ne sais pas si après lui, je peux y avoir quelqu'un d'autre. Oh Seigneur. Je préfère mourir. La mort vient. Comment vous jouez avec le Seigneur? Je ne sais pas. Quand je réfléchis, il est l'unique. Je réfléchis, Seigneur, je préfère la mort. Mort vient. Ça va venir. L'humain cherche où? Il cherche. Partons les chasses. Mort, ça va, va. Esprit est mort. T'as dit, ça va venir. Il va courir, venir. Qui m'a appelé? Même tu le dis même bien. Il dit non. T'es seulement bibé. Vous restez avant. Non, il ne va plus. Mais toi, tu l'appelles maintenant. Il dit bien. Aïe. Il va aller prendre son client parti avec ça. Pourquoi vous décidez? Vous voulez décider vous-même de ce qui est bien pour vous. Laissez Dieu décider à votre place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut aider Dieu dans sa décision. Amen. Parce qu'il connaît au lendemain. Dans 2 ans, dans 3 ans, il sait toutes choses. Amen. Vos prières, que ta volonté soit faite. Seigneur, ta volonté, elle est la meilleure.
Maman, c'est pas ce que tu as envie de voir. Papa, c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Mais cette patience et cette confiance en Dieu va produire quelque chose de meilleur dans la vie. Amen. Les hommes de foi sont des futuristes. Dieu pour la foi sont des futuristes. Dieu c'est un futuriste. Il dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, elle sera ta descendante. Il change son nom, Abraham, père d'une multitude d'enfants. Lui n'a pas encore vu, il a seulement vu Isaac. Il n'a pas vu père de multitude d'enfants, il n'a pas vu tout ça. Mais il croyait déjà par la foi qu'il allait avoir une multitude d'enfants. Il croyait déjà. Il faut croire. Amen. Alléluia. Or, si on retient ce qui est négatif, on retient que c'est le diable qui est en train de nous gâter. Ok, ça c'est normal, il nous gâte. Ok? Mais et alors, et après? Qu'est-ce que tu fais? J'ai prié. Tu crois en Dieu ou pas? Si, crois que Dieu t'a exaucé. Amen. Donc, depuis quoi je ne vois rien? Non, c'est d'abord dans le spirituel. Avant de voir ça physiquement. Tout se passe dans le spirituel. On dit la foi est une ferme assurance. Personne ne peut venir brûler cette foi. Elle est ferme. Même si on te dit, ah, je vais mourir du cancer, tu dis non. Hein? On ne mourrait plus de ça. Parce que c'est déjà réglé entre la main de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'entendra pas les choses. Les ennemis de la foi, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on voit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas te dire. Ils viendront te dire les choses. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Ma guérison. Mais c'est ce que tu vas avoir. Pas ce que le médecin dit. Mais c'est ce que, sans quoi tu as cru là, c'est ce qui sera fait. Or, la volonté de Dieu, c'est que toi, n'est-ce pas, tu sois, n'est-ce pas, dans le bonheur. Le plan de Dieu, toi, c'est que tu sois le meilleur. Le plan de Dieu, bonheur. Donc tu sais, toi, vis ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime chacun d'entre nous. Il nous aime. Heureusement qu'on s'est confié en lui, il verra le reste. Il faut lui faire confiance. Donc, le fait qu'on n'ait pas rentré dans le bureau du prophète n'empêche pas Dieu de vous guérir. Vous avez migré à cause de ça. Vous avez migré à cause de ça. Vous ne dormez même pas. Vous voyez les cauchemars que vous voyez. Je suis pas là dans le bureau du prophète. Peut-être que quand il est parti, ils vont manger. Il a fait le marché de Djoubé. Seigneur, si je rentre, ça c'est Djoubé qui va manger. Un placaïa. Il t'a dit, moi, tu manges un placaïa. Qui suis-je? Moi, je suis qui? Amen. Je suis un être humain comme vous. Même si Dieu me dit, on dit, Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que quelque chose vienne mettre un obstacle au miracle de Dieu. Non, il ne faut pas que quelque chose vienne freiner ça. Freiner ça. Vite. Si tu penses que tu seras meilleur, tu seras meilleur. Moi, je ne me réveille jamais avec les pensées négatives. Je chasse ça d'ailleurs. Et puis d'ailleurs même, je les accepte. C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui va arriver. Quand je te lève ma tête, il faut proclamer ce que tu veux. Dis ça, c'est ta vie. Moi, il y a des choses qui les déclarent sur ma vie tous les matins. C'est une suscitante. Je dois avoir ça. Donc, si toi, tu as fait un rêve, et puis le prophète est mort. Il dit, c'est pas le rêve, c'est pas, ça ne me concerne pas. Ce rêve-là, c'est pas pour moi. Ah non. Toi, tu n'es pas venu infecter moi ma manière de voir. Or, quand Dieu va vouloir te bénir, il va te donner, il va se baser sur ta vision. Qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Ah, il y a des gens qui marchent, ils ne savent même pas ce qu'ils vont devenir demain. Dieu ne fera rien avec toi. C'est pour ça qu'avec Dieu, il faut avoir un rêve. Il n'y a pas d'aller dormir pour ronfler. Hein. Non, le rêve-là. C'est-à-dire, il faut savoir ce que tu veux être demain. Tu as ça dans la tête. Amen. Amen. Dis ça. Moi, je suis convaincu que je vais me marier. Je suis convaincu que tu as des affaires. Je suis convaincu que tu crois à l'argent. Moi, je prie toujours pour qu'il y ait beaucoup d'argent. Ce n'est pas un péché.
L'argent est très important. Donc quand je prie matin, il faut que Dieu me donne beaucoup d'argent. Amen. Amen. Si tu as l'argent, il y a des petits, il y a des problèmes qui ne vont même pas venir t'embêter. Il y a des migraines qui vont disparaître. Tout gentiment. Quelqu'un qui a 500 000 et quelqu'un qui a 500 francs, ils n'ont pas les mêmes pensées. Jamais. C'est ça, en peur. Il a peur. Il a peur. La personne a peur. 500 000 est tranquille, dort. Le Seigneur est merveilleux. Oh, le Seigneur. Parce que si ça vient, il y a ça déjà pour répondre. Avant que le Seigneur ne descende, 100 000 francs peut régler ça. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il priait pour que Dieu vous donne la richesse. C'est pas péché. D'autres disent, je ne veux pas être trop riche, je ne veux pas être trop pauvre. Moi, je veux beaucoup être riche. Non, si tu te ris, moi je ne vais jamais abandonner Dieu à cause d'argent. Pourquoi? Lui-même, il a l'air qu'à fatiguer. Est-ce qu'il a l'air qu'à adorer Satan? On dit lors de l'argent par Dieu. Amen. Pourquoi il ne donne pas? C'est pour moi. Et son hérité direct. Amen. Priez pour que Dieu vous donne. Pourquoi vous avez cette pensée de pauvre? Moi, je l'aimais avec une mentalité d'homme riche. C'est ça la différence. Si tu manges à cette mentalité, ça va venir. Parce que c'est la pensée. C'est ça la foi. Tu vis avec moi. Je suis convaincu que j'aurai tant, tant, tant. Je suis convaincu que je n'ai pas. Or, le juste, ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Et le juste vivra par la foi. Et le juste vivra par la foi. Ce qui fait vivre le juste, qui n'a jamais vu le juste, c'est son compte bancaire qui le fait vivre. La Bible dit que ce qui fait vivre le juste, c'est ça. C'est sa foi. C'est qui? Tu peux avoir des milliards ou des millions de francs comme. Et puis une situation peut venir détruire tout ça. Ça, ça va. On a vu les gens qui étaient millionnaires ou milliardaires. C'est parti. Mais la foi, il ne faut pas la perdre. C'est ça que la Bible dit, recommande ton soin à l'Éternel. Mets en lui ta foi, il agira. Or les gens s'arrêtent seulement au stade de prier Dieu. Ils ont peur de faire confiance à Dieu. Cette prière de confiance, eux-mêmes commencent à. Il faut faire confiance. Confiance, la patience. Confiance, c'est beaucoup de sérieux. Tu es patient et tu attends toujours. Amen. Amen. Un jour, c'est 1000 ans devant lui. Et 1000 ans égale un jour. C'est pour ça que son nom est le temps. Le nom de Dieu, c'est le temps. Il faut composer avec le temps. On m'avait compris. Amen. Faut beaucoup patient. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça qu'il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Tu as crié. La vue, je veux retrouver la vue. Qu'est-ce qu'il a choisi faire selon? C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit comme tu l'as dit. Il dit non, selon ta foi. Parce que tu as cru là, reçois son miracle. C'est tout. Dieu va vous récompenser en fonction de votre foi. C'est tout. C'est en fonction de ta foi qui va agir. Tu ne dis pas s'il rentre dans le bureau. Il y en a qui les ordinateurs dans mon bureau. Les feuilles de registre, c'est tout. Amen. Amen. Pourquoi Richard? J'ai migraine parce que tu n'es pas rentré dans le bureau du prophète. C'est quand je vois le prophète. Oh! Le Seigneur va se manifester. Ah! C'est quand tu vas voir le Seigneur, le prophète. Le Seigneur va se manifester. Donc sans le prophète, Dieu ne te manifeste pas. Ça, c'est déjà un problème. Amen. C'est vrai, on est venu sur le voyant, on est venu consulter Dieu au travers d'un ministère. Mais ça n'est pas dit qu'on est figé à ça. Sans ça, Dieu continue d'agir. Sans ça, il continue de se manifester. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la vision que tu as de toi? Qu'est-ce que tu as de ton futur? C'est tout. Amen. Amen. Si tu veux avoir bon mari, trouver un mari, c'est la foi. Amen. Amen. On est d'accord avec ça? C'est tout.
Si c'est celui qui est là, il est gnéné, gnéné. Dieu va l'enlever. Amen. Bizarre, 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 bizarre. Dieu l'enlève. Dieu envoie. Oh, la séparation, là, ça fait mal. C'est là même qu'on veut prier. On dit, Seigneur. Petit pleu, la rue. Le cœur, ça, c'est quelque chose. Hein. Ah, cœur. Seigneur, mon Dieu, il a pu me délivrer. Je veux que tu me délivres. Même s'il est possédé, même s'il a tous les démons, Seigneur, tu as délivré tant. C'est là qu'il rappelle au Seigneur ce qu'il a fait avant. Donc il peut faire ça encore, Seigneur, pardon, il va en supplier. Lui, là, son démon, là. Si Dieu trouve que d'ici deux jours, ou bien d'ici un an, si vous vivez ensemble, il va mourir, tu seras peur. Il sait ce qui est bien pour toi. Vous m'avez bien saisi? Amen. Vis ta foi. Je suis là dans ce centre parce que je crois que Dieu va me guérir. Je suis en train de prier. Je crois déjà ma guérison. Amen. Je crois que Dieu me guérit. Je crois et je vis ma foi. Vivez votre foi. Vis ta foi. Ça n'empêche que tu vas avoir des choses bizarres. Amen. Quand tu as dit Israël, sors. Maintenant c'est fini. Ils vont laisser partir Israël. Mais ce n'a pas péché. Pharaon de poursuivre Israël. Mais Dieu est dedans. Ok. Devant la mer rouge. Dieu lui-même dit pourquoi c'est mémé. Ah Dieu. On dit Pharaon là, tu cuis du boisson là, il est dénié. Non, c'est pas fait la guerre. Tu peux dire que ça n'avait pas fait la guerre. Tu peux apprendre un esclave à aller faire la guerre, va Dieu. Et c'était un expert en bâtiment. Mais égale, là, c'est pas beau. Donc les guéris arrivaient derrière pour amener le peuple. Il fallait les macheter. De son nom, il allait dire à Moïse, regardez bien la Bible. On préfère les servir. Parce que là-bas, là, même son esclave, il ne peut manger plus. Comment Moïse? Pourquoi tu fais ça, Moïse? Oh, il était content. Moïse. Tu viens que son signe bien. Les gens ont tué Moïse. Ils ont tué. Ouais, la foi a commencé à prendre. L'océan. On a vu des miracles. Mais la mer. C'est partout qui va venir bien. Non, lui là, il n'est pas clair. Son histoire de Moïse là. Est-ce que Dieu t'a parlé, Moïse? Oh, vous avez vu la main de Dieu, c'est manifesté, c'est comme ça douter. Dieu lui-même dit, pourquoi c'est mieux? Il dit Moïse, pars à la mer et voilà. Amen. Amen. La situation qui est en face de toi, tu peux régler ça. T'as ta foi. Amen. 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 Parce que tout ce que tu lis est lié. Tout ce que tu délies est délié. La situation ne doit pas t'écraser. Amen. Alors, il dit, parle. Moi, j'avais cette foi. Il dit, l'Éternel. Regardez là, la parole de Moïse. L'Éternel combattra pour nous. Mais gardez le silence. Amen. Garde le silence. Reste calme. C'est ce que ça veut dire. Reste calme. Ne sois pas agité. Pourquoi tu as peur? Pourquoi cette frayeur? Oh, le diable, il crée cette frayeur. Il crée la frayeur. Et dans la débat, dans la panique, tu perds la foi. C'est ce qu'il veut. Il dit, l'Éternel combattra pour nous. Ce combat-là ne nous appartient plus. Amen. Amen. Ça ne nous appartient plus. Le combat que tu vis ne t'appartient plus. Appartient à l'Éternel. Dieu s'en fout si tu n'es pas rentré dans le bureau du prophète. Pourvu que tu crois en lui, lui il règle le problème. Ça va se régler. Ça va se régler. Amen. Amen. Faut pas qu'on vous arrache cette foi. La mer s'est fondue. Or, quand vous regardez le cheminement, depuis la mer rouge jusqu'à Canaan, ceux qui n'avaient pas la foi sont tous morts dans le désert. Amen. Ils sont tous morts dans le désert. Et ils suivaient Moïse chanellement. Ah oui? Or, quand on est converti, on doit être des hommes de foi.
Amen. Regardez quand il a envoyé Josué et Caleb explorer Jéricho. Et les deux l'ont dit, il y a des géants. Mais nous avons l'Éternel. C'est les deux, Jésus et Caleb, qui sont rentrés à Canaan. L'autre dit, ah non, mais pourquoi les combattre? On ne peut pas les combattre. Mais dans la sainte génération, c'est Jésus et Caleb qui sont rentrés à Canaan. Parce qu'ils avaient la foi. On ne dort pas, s'il vous plaît. Ayez la foi en Dieu. Amen. Il faut avoir la foi en Dieu. Alléluia. Amen. Il faut avoir cette foi en Dieu. Parce que la foi déclenche les miracles. Il ne faut pas avoir peur de ce qui va arriver. Il ne faut pas avoir peur de... C'est ce que le gars fait. Sa petite queue qui remue, toi tu n'as rien à voir avec ça. Toi tu as la foi. Quel que soit, c'est... Parce qu'on dit, il est comme un lion innocent. Il va rugir ou t'effrayer. Mais ce n'est pas lui le lion. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Amen. Amen. Il va rugir pour t'effrayer. Et la frontière. J'ai migré. Quel que soit le résultat que tu reçois du médecin, le plus spécialisé dans son domaine, quel que soit ce que tu vas recevoir comme information, balance cette information, Seigneur. Et tu lis. Avec ce que j'ai entendu, j'ai foi en toi. Ma foi me dit ça va se régler. Vous l'avez touché, Dieu. Vous l'avez touché. C'est fini. Vous l'avez touché. Parce que Dieu veut que vous marchiez selon l'esprit. Ne marchez plus selon la chair. Hein? C'est ça le résultat, oui. J'ai fait comment? J'ai fait comment? Le cancer. Le cancer. C'est que je suis mort, tu as bien prophétisé ta mort. Amen. Il y a un spécialiste du cancer, c'est Seigneur Jésus. Amen. Tu guéris le cancer. C'est par sa main sûr que nous sommes guéris. Ce prophète guéri que nous sommes. Ils l'ont blessé à cause de notre guérison. Il a subi ça pour que nous soyons guéris. Ce que tu vis aujourd'hui, Christ l'a déjà porté à la croix. Amen. La propre délivrance. Ça a été payé le prix. Ça a été payé. Vis-la. Vis ta délivrance. Ne regarde pas ce qui se passe dans ton corps. Ne regarde pas ce que les gens. Ne regarde pas. Le sorcier qui veut te manger, il sera mangé. Amen. C'est ça qui donne le passage des Aïs qui envoyait. Celui qui veut te tuer, sera tué. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Tu auras ton entreprise. Tu auras ton argent. Tu auras tes affaires. Point pas. Ça ne se discute pas. Votre bénédiction ne se marchande pas. Dieu a tracé quelque chose pour toi. Amen. Le diable n'ira pas contre ça. Parce qu'il est Seigneur. Même si un sorcier vient s'asseoir avec ses fesses, le sorcier aura beaucoup. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Amen. Sorcier va avoir beaucoup. Hémorroïdes. Sévère. Amen. Personne ne peut s'asseoir sur ta bénédiction. Amen. Parce que Jésus est souverain. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui ont été bénis ont connu des épreuves. Tu peux pas céder une bénédiction sans épreuve. Tu vas avoir un grand ministère, tu vas traverser ça. Amen. La vie d'Israël, c'est un enseignement. Vous avez 40 ans dans le désert. 40 ans. Et vous voyez, il est en train de tourner avant. Mais c'était une formation. Je le formais. Je le forme. Mais est-ce que comment tu crois ton ministère? Oui. Ok. Donc ce qui se passe, c'est une formation. Amen. Amen. Il n'y a pas de retard avec Dieu. Amen. Amen. C'est ça le problème. Il y a parce qu'ils sont en retard. Non. Tu n'es pas en retard. Ah non. Quand tu vas démarrer, tu vas dépasser tous les autres. Amen. Chacun son temps. Amen. Amen. J'étais convaincu de venir à Dieu.
J'étais dans la brousse à Zaroko. Les gens sont habitants. Quand j'arrive à Paris, c'est 3000, 4000 personnes dans les salles. Amen. Hein? Amen. J'ai fini, je reviens. Je crois à mon appel. Je sais qui m'a appelé. Amen. Pas parce que je suis habitant, je ne suis pas habitant, je suis pas serviteur de Dieu. Amen. Il n'y a pas vu sa vision de ce que Dieu. Mais c'est Dieu ici à dire, je voyage. Parce que c'est le temps de Dieu d'aller voyager. Amen. Hein? Quelle proposition on va faire? On dit, ah non, il y a des gens qui viennent ici spécialement. On a quatre lots, tu te tais, et puis nous on fait église pour toi. Ah, Timon, la route est bizarre. Tu danses ma poca jusqu'à. Avant de venir. Ce n'est plus ni de poule, c'est ni d'Autriche. Nos routes sont bizarres. Nous-mêmes, la Corée de danse, nous remis, mais on ne peut pas dormir dans la voiture. Nous remis. Donc c'est difficile. Quand tu seras à Abidjan, ton ministère va prospérer. Il dit stop. Ce n'est pas toi qui fais prospérer un ministère. Amen. C'est le Seigneur. Stop à toi. Quand il m'appelait là, tu n'étais pas là. Amen. Quand il me parlait de venir à Tibo, tu n'étais pas là. Quand il me lavait au bizarre de Zaroko, tu n'étais pas là. Amen. Faut laisser ça. Tranquille. Je souffre, je suis dedans. Ça me plaît. Je n'ai jamais vu un disciple de Jésus qui, pour suivre Jésus, pour porter sa croix. Tous les jours. Porte ma croix. Celui qui voulait me suivre, qui se cherche chaque jour de sa croix, je supporte. Ça fait partie du ministère, la croix. Bon. C'est parce que je t'aime. Merci. Dieu même que toi. Ça va? Sois béni. Vas-y. Faut plus parler de ça. Hein. Faut comprendre, papa. Vas-y. Moi, je te suis. Humainement parlant, toi, tu vois la souffrance. Mais c'est d'ici que le ministère a explosé dans le monde entier. Merci. C'est d'ici que je suis rentré à l'ONU. C'est d'ici que j'ai rencontré des personnalités dans le monde. C'est ici. C'est pas Abidjan. C'est ici. Et les gens qui ont démarré le ministère avant moi, ils n'ont jamais mis pied où j'ai mis les pieds. Amen. Jamais. Amen. Ils n'ont jamais mis. Et les gens qui ont démarré le ministère avant moi, on n'est même pas la même chose. C'est vrai. On n'est même pas la même chose. Ce qui est vu dans le monde là, c'est la responsable de tous les grands ONG. Je suis assis avec l'Union africaine, près d'elle. Elle me regarde. Elle me dit excellent. Vous êtes un ambassadeur, je dis oui. Amen. Parce que la salle était remplie des ambassadeurs. Et là où on m'a mis, c'était la partie des ambassadeurs. Amen. Elle dit quel ambassadeur Jésus Christ. Ah, j'ai dit ça. Hein. C'est pas parce que je l'ai dit. Elle dit pardon. Elle dit mais tu as compris. Je dis excellence. Elle s'est débrouillée parce qu'elle comprend anglais et tout ça. Moi, j'ai dit mon ambassade. Amen. Chacun dit pour lui. Tu as des guitos, Niger, tu dis pour toi. Jésus, ça dit, Corolla, en Baoulé, ça dit, c'est Jésus, village de Jésus Gros. C'est là-bas, c'est son ambassade. Je représente ça ici. Amen. Tu la regardes sur moi, la dame, elle regarde. Elle veut parler à moi. Elle veut bien comprendre. Maintenant, elle m'approche, elle dit, je sens que je dois vous recevoir. Amen. Parce qu'on est à la journée de l'enfant africain. C'est là que j'étais dans la salle. Rendez-vous à 15h. Elle crie à même une heure. Pour la voir, son canal adresse comme ça. Elle dit à 15h, je t'invite chez moi. Tu dois être. Je ne sais pas, mais j'ai envie de t'aider. Lorsqu'on m'a donné la parole, vous auprès tous les présidents du monde, les Africains, c'est l'Union africaine, j'en ai un point. C'est là-bas. Quand vous allez arriver à l'ONU, vous allez comprendre que. Nos présidents, mais qui les considère? Excusez-moi, hein, mais c'est là-bas que j'ai vu. C'est petit peu bizarre. Donc, on me met où ils ont l'habitude de s'asseoir. C'est là-bas que je suis assis. Puis je prends le micro devant tout le monde et j'explique mon expérience en matière d'aide d'enfants. C'est là-bas que je dis, ah, je comprends pourquoi. Elle a appelé son mari. Son mari, les décrets de paix dans le monde, c'est lui qui signe ça.
Si on doit envoyer soldat de l'ONU, c'est lui qui sait. Il est venu là. Et je suis venu m'arrêter. Et il était là. Ils ont pris des photos et moi. Ils ont même, elle a dit, il faut que je prenne ta photo, mais là. Moi, je suis tourné. Moi. J'ai moins dit, secret. J'ai moins polo. Elle est moins charmante. Polo et charmante. Le Seigneur a dit, c'est toi. Amen. Les charmes. On se mobilise. On dit, il faut que tu sois tourné. Moi, je suis tourné. On dit, il faut être là. Les gars vont me chercher à mon hôtel. L'esprit d'Afrique, oui, je suis en l'état. Ça m'anime là-bas. Il y avait pouce dans la voiture, même à cravate dans la voiture. C'est dans le sang, notre esprit. Là. À l'heure juste, je suis là. Moi, je comprends rien. Je suis avec les enfants de tel président. Je suis avec un tel ministre dans la salle. Je viens de Divo. J'ai moins secret technique. J'ai moins sioko. J'ai moins voilà là. Et voici, à la table des rois. Amen. J'ai pas de retard. Ta foi. J'ai tort à Zaroko, ta maison bizarre. Mais je vois moins grand ministère. Amen. Comment arriver ça? Je vois moins grand ministère. Il faut rêver. On peut tout arracher, sauf le rêve. Amen. Or, c'est le rêve-là, le diable t'a arraché. Et puis il arrive avec ça. Quand il te pique, ils sont entrés. Ils sont en train de piquer. Seigneur, les sorciers, pourquoi on voit les piqûres? Tu dis le diable, il faut me mordre. Mais j'aurai la victoire sur toi. Ça le tranquillise. Quand il te voit serein, il fuit. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien écouté? Amen. Il n'y a pas de retard. Amen. Amen. Il n'y a pas de retard. Moi, je suis né et je vais marquer mon papa. C'est dans ma tête. Tu viens venir me dire, tu veux rencontrer ce que tu as envie de rencontrer. Chacun vit sa foi. Vis ta foi. Vis ta foi. Tout le monde n'est pas obligé de croire en toi. Amen. Et puis d'ailleurs, ceux qui ont grandi peut-être avec toi, qui ont ton passé, ils vont te sous-estimer. Tu vois, c'est lui là. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Cette foi, ça crée la grandeur. Cette foi crée beaucoup de choses. Il faut avoir la foi. On va bien écouter. Il faut avoir la foi. Alléluia. Amen. Avec la foi, tout est possible. C'est ça. Les gens, ils n'ont plus la foi. Quand quelque chose arrive, le prophète apparaît sur... non, le miracle ne dépend pas du prophète. Dieu peut l'utiliser pour, n'est-ce pas, aider. Mais ton miracle ne dépend pas d'un homme. Amen. Il dépend de Dieu. Vis ton miracle. Amen. Je vous ai conté une histoire où moi-même, là, j'avais des difficultés d'argent. Gérer les fins du mois. C'est le mois-là, il y avait tant de difficultés. J'ai réfléchi. Il me restait 200 000. Il me faut 200 000. D'ici deux jours, pour régler un problème de loyer. Or, je n'aime pas que quelqu'un vienne m'encaisser maison. Ah! Quand il est droit, déjà il règle. Je n'aime pas ça. Vous avez compris, non? Vous qui gardez tête sous vous quand vous la guerre vous chasse. La plus grande humiliation, c'est ça. Plus en fout. À midi. Ne t'a worry. Il va lui demander ça. Je suis en train de réfléchir, Seigneur. Dans mon bureau. J'ai fait des prières. Seigneur, je te fais confiance. Je signe le chèque. Et la banque se laisse m'envoyer l'argent. C'est pour moi. C'est à moi l'argent. Amen. Je suis allé dans le bureau, je suis en train de travailler à Baruch avec mes employés. On m'appelle du Sénégal. Je veux couper. J'ai trop de soucis. Le Seigneur lui prend le téléphone. Parle un Sénégalais. Non, je vais t'envoyer l'argent tout à l'heure.
Il dit, ah bon, il dit oui, 200 000. Et vous m'envoyez ton nom, moi, coupé. Et voilà tout mon nom. J'appelle, c'est pas venu. J'envoie un message. C'est pas encore venu. J'envoie encore un message, ça vient pas. Il dit, bon, allô, prends vite, prends ce kilo. Lettre par lettre. Il a répété, il dit, bon, c'est ça. Quoi le faire? Il dit, Wari, dit pardon, faut faire mon grand pardon. Faut m'envoyer dans les trucs bizarres, Wari, ça me fatigue. Fais mon grand, ça y est devant ma porte ici. Comme ça, si je ne sors pas l'argent. Il a fait Wari, tap tap, il y a un migré dans le cas. Tu ne connais pas ça? C'est quoi ça, Wari? Fais mon grand pardon. Quand il est mort d'Abidjan, il cherche Wari. Tu ne connais pas ça? Je connais Weston Nignon et Monique Ra. Mais reste là. Bon, peut-être qu'il y a. Mais non, vous pouvez. Coupé, mon est grave. Viens, mon âge. Amen. Amen. C'est tout. Je ne suis pas venu dire à l'église, donnez, cotisez, cotisez. Ah, j'ai vu ma foi. C'est ma foi qui était. Papa là, Dieu là, c'est papa de tout le monde. Donne, il a pour vous. Ayez la foi en Dieu. Amen. 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 Parce qu'on a des milliards. Le juste, et le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est ça qui va vous faire vivre. Vivez votre foi. Vous ne pouvez pas empêcher le cerveau de travailler. Ça va revenir, vous allez penser aux difficultés, ça va venir. Mais, vivez ta foi. Amen. Vous devez vivre votre foi. Si vous vivez votre foi, c'est fini. C'est la chose la plus puissante. Et personne ne vient nous arracher.